Département centre recevoir jeudi 1er février le équipement PAYO pour réaliser travail caravane changement. C'est président de la République la Jovenel Moïse qui met autorité locale au matériel SAYO. Président de la République la Jovenel Moïse qui a accompagné ministre de la République la Fritz Kayo visité jeudi 1er février état avancement travail réparation de turbines centrales hydroélectriques Péligla. Archives nationales d'Haïti gagne un bureau tout neuf dans Delma 39. Directeur général institution Jean-Wilfried Bertrand inauguré nouveau local là hier jeudi. La police nationale d'Haïti déjà prend toute disposition pour bailler sécurité dans carnaval qui vient pour dérouler divers côtés dans pays à pour année 2018 là selon porte-parole PNH là France Lerbeau. Et puis à l'étranger, 5 officiers perdent la vie en collision hélicoptère dans site pays la France vendredi 2 février 2018 là. Bonsoir tout le monde, c'est toujours un plaisir pour entrer la caillou et présenter au journal Mitan Journée sur télévision nationale d'Haïti. J'ai été annoncé l'anti dans mon département centre et c'est voir jeudi 1er février à l'équipement PAYO pour réaliser travail caravane changement. C'est président de la République la Jovenel Moïse qui remet autorité locale matériel SAYO. À travers caravane changement, président Jovenel Moïse a concrétisé pour qu'elle est là une plus grosse promesse campagne qui visait pour mettre tout le pays d'Haïti en chantier. Nous invitons à suivre le reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Après le département nord-ouest et le département nord, c'est tout par le département centre pour recevoir jeudi 1er février un lot d'équipement pour faire travail caravane changement. C'est tout le département qui a recevoir matériel payo pour faire travail construction route, curage, drainage, assainissement et l'autre encore. Dans l'équipement, il y a un camion bascule, bulldozer, pelle mécanique et esclavatrice. Chef l'État a félicité une fois encore le parlementaire 50e législature qui a voté le budget république là pour l'exercice 2017-2018 là, qui permet l'argent débloqué pour acheter l'équipement SAYO. Nous allons mettre l'eau dans le wall, nous allons curer. Nous avons 60 rivières dans le pays, nous avons curé pendant 4 ans. Nous avons un équipement pour ça. Nous avons un équipement pour ça. Mais l'équipement, c'est l'argent. C'est vous-même. C'est ou même parce qu'on était tête faite. Là où t'es sorti pour te chauffer tête tout. Dans affaire budget criminel où t'es réfléchi ou dit m'a pas fait nouveau ton président. Parce que le président mon petit parole il te dit nous on te dit parole là, pas me tout rappeler nous. M'te dit nous pour voter nous pas voter pour mal faire ça me veut. Ça veut dire nous bamba nous ça me veut dire. M'te veut dire nous pas voter pour mal prendre l'argent l'état me faire ça me laver. Nous pas voter pour nous arrêter mal développer un petit côté dans le pays et puis pour m'abandonner ça. Nous te voter pour me faire pour tout le pays. Nous te voter pour me prendre l'argent l'état pour mettre le service nous. Mais tout nous pas voter pour me quitter nous faire ça nous voulons. Je songe me dit nous ça dans campagne là. Me dit nous ça. Me dit nous là. Et mais jodi a moi content ouais les budgets. Tout le monde était tête faite parce que nous ne connaissons pas qu'à quitter nous faire ça nous voulons. Si nous quittons nous faire ça nous voulons, le pays a son anarchie. Il faut qu'il y ait la loi, il faut qu'il y ait l'ordre qui dirige le pays. C'est pour ça, je dis, dans la route qui va construire dans le pays, pas oublier c'est l'État qui va construire. Il faut nous tous qui sommes dans la route, nous collaborer avec l'État. Dans moins passé une semaine, président Jovenel Moïse a bouclé une première année dans 5 ans mandat qui a passé sous pouvoir. Mettez tout Haïti en chantier, c'est une promesse campagne qui réalise. Yon kokèn chen chantier qui pral permettre pays à développer et puis relancer à tout niveau. Président de la République la Jovenel Moïse qui était accompagné avec ministre de la République la Fritz Kayo visité état avancement travail réparation de turbines centrales hydroélectriques Pélig jeudi 1er février. Chef l'État pays a fait connaître d'ici mois mai qu'a venir là. Péligla a amézi pour produire 50 MW courant. Nous invitons à suivre un reportage Saint-Croix-Paki avec Michel Joseph. Visite président républicain Jovenel Moïse dans la centrale hydroélectrique Péligre témoigne volonté et engagement chef l'État haïtien pour gagner courant 24 sur 24 dans tout le pays dans un délai de 18 mois. Travail de réparation de 2-3 turbines barrages Péligre avancé à grand pas. Rive Mohamed Kavinila, centrale hydroélectrique Péligla a gagné capacité pour produire 54 MW courant. Nous venons aujourd'hui pour nous constater deuxième turbine qui est en marche.
Ça veut dire que je suis regardé dans le tableau de bord. Comme nous connaissons pas nos époques la pluie, nous pratiquement avons fait environ 30 MW là, sous 36 MW. Et les techniciens sont bon nous garantis d'ici mois mai, nous avons une troisième turbine qui dérape pour nous arriver dans 54 MW. Et nous sommes visités, travaillons très avancés. Nous attendons pour que la troisième turbine dérape pour nous venir à 54 MW. Même profiter pour me dire, tout le monde, compatriotes, mes frères, M. Gabriel Demla, jeudi à 1er février, dans 18 mois, il faut payer un courant 24 sur 24. Président de la République, Jovenel Moïse, annonce tout construction barrage électrique 4C de la Tibonitlan qui parle produit en 2 MW courant. Sans compter réparation de l'autre centre radio, Cap Vancé, pour renforcer la capacité EDH pour fournir les zones concernées plus de services. Simultané, EDH travaille pour renforcer la capacité. Pour le vin gagner plus de capacité en matière hydroélectrique, même gens, nous avons annoncé que la centrale hydroélectrique à Tibonite 4C, étude ça qui finit. Et c'est pour ça, avec le député Jude Jean qui l'a, qui c'est la Kaili que le réservoir pour le fait, nous prenons le travail pour nous mettre main dans la centrale. Ça. Travaux publics, EDH, ministère de l'Environnement, nous tous pour le faire, députés, sénateurs, peuple, magistrats, kazek, azek, tout le monde, journalistes, pour nous dire que après 72 ans, qu'on président a construit le barrage Peligla, nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes une génération qui a des garçons et des femmes conséquents là-dedans. Nous prenons responsabilité nous, pour nous mettre nous ensemble pour que le barrage hydroélectrique 4CA pour vienne en réalité pendant 4 ans de mandat secrétaire. Directeur général EDH, Hervé Pierre-Louis, fait connaître l'institution à travailler pour permettre mon nouveau joint courant pendant d'encourager les abonnés à payer le droit. Le président prend engagement de responsabilité. Bailleur de fonds tout aider EDH pour que nous jouions de fonds pour nous remettre central ça tout neuf. Ça veut dire que à partir de mes legs de l'eau, nous sommes capables de produire 54 MW fiables à partir de là. Actuellement, tout ligne de transmission, nous sommes en train de mettre à neuf. Et une fois l'infrastructure finie réhabilitée, c'est la responsabilité par EDH pour faire le marché. Mais les clients, tout, nous avons recevoir courant, nous avons responsabilité tout pour faire chaîne dans le marché. L'État a pris responsabilité, il fait devoir. EDH a fait devoir. Il faut que les consommateurs, les clients, fassent devoir. Centrale hydroélectrique Peligla, construite sous ancien président François Duvalier, l'a inaugurée dans la date 22 juillet 1971. Merci Paki ak Michaud. L'autre information dans le journal ça, Archives nationales d'Haïti, gagne un bureau tout neuf dans Delma 39. Directeur général institution Jean-Wilfried Bertrand inauguré nouveau local ça jeudi 1er février 2018 là. Johnny Arbicaceus dans au compte rendu. Nouveau bureau ça porte nom annexe 3 Archives nationales d'Haïti. Les chita dans Delma 39 à autoroute Delma. Dans local ça employé institution a bien pour entrer toute information qui n'enregistre Archives nationales d'Haïti sous disque et puis mettre sous forme base données institution. Livre ça nous est là, son livre Port-au-Prince, section Nord, naissance et décret, 20 octobre à 31 décembre 1998. Mais livre ça, à force que vous manipulez, nous est que li presque perdu beau état. Donc à la minute que je dis à la, nous finissons le livre ça sous système, non, n'importe qui besoin avec base de données que nous avons enregistré sous l'IA. Tout le monde a une capacité de vivre ça. Et c'est dans ce sens-là, la numérisation lui-même a travaillé et Post-Marchand et Adelma pour que nous ayons une mesure que volonté avec rêve de GDI lui-même a arrivé à réaliser. C'est au total 60 opérateurs qui ont bien pour réaliser le travail ça. Selon le directeur général Archives nationales d'Haïti, Jean-Wilfried Bertrand, démarche ça doit aider à résoudre le problème état civil en Haïti. L'annexe 3, c'est justement pour apporter une dimension en plus de ça que tu as fait déjà. Vous avez une possibilité, lors de faire demande, là, vous tout enregistré. Donc la prochaine fois qu'on va faire une demande d'extrait encore, vous voyez que soit bien rapide. Mais dans le monde qui perd du baptiste, qui n'a pas compte côté à classe carré,
tout le monde s'est oublié à faire un certificat négatif. Toute la journée, faire une autre déclaration. Il y a 3, 4, 5 baptistes. C'est ça, nous allons résoudre là. Ici, c'est notre cuisine. Cuisine à fabriquer pour tout le territoire. Actuellement, il y a 18 CLDI qui sont directement branchés sur ce système. Donc, on a Port de Paix, Saint-Louis du Nord, Jérémy, ou pas Jérémy de Bordeaux-Presse, ou bien tout le monde à la portée. Et c'est ça que nous avons fait là, oui. Tout le registre, nous allons numériser là, et nous mettons dans la base de données. Et travail, ça qu'on fait. Nous dit public là, annexe 3 pas ouvert au public. Nous commençons des données confidentielles qui vont entrer là, nous rappelons que nous avons perturbé ça qu'on fait là. Donc, s'il vous plaît, client pas venir là du tout, c'est formellement interdit que client vienne là. Archive nationale d'Haïti, tu as conservé documents liés sous forme ruban. Ça y a les microfilmages là. Kounia, Archive nationale d'Haïti divorcé avec pratique ça. Selon le directeur général institution, tout ça qui a rapport avec données ou soit information sur Archive nationale est disponible sous support électronique. Dossier carnaval 11-12-13 février 2018, c'est date qui fixée pour carnaval national là. Thème qui kembe ané ça, c'est Haïti sur route changement en préparatif à 3 jours carnaval ça. Responsable Pabo ici déjà prend toute disposition pour jou sa yo bien passé. Yon coup d'œil sur champ de mars qui c'est li rendez-vous a déjà a changé figi. Yon contredit avec Marie Jolie. Construction sous champ de mars, c'est une obligation de carnaval dans la capitale. Là. Dans la télévision nationale, tu as fait jeudi 1er février 2018 là, sous champ de mars pour t'al fournir comment préparatif yoye. Tout bagaille a marché à grand pas. Il y a plusieurs lots qui déjà construit, sans compter divers lots qui en préparation pour accueillir l'ambiance carnaval. Là. Préparatif ça y fait, c'est pour faciliter les gens qui prennent plaisir au champ de mars, faire sans trop de difficultés. Carnaval, c'est une ambiance populaire qui réunit diverses couches dans la société, sans compter l'autre monde qui sortit dans le pays étranger. Toujours sous même dossier, la police nationale d'Haïti déjà prend toute disposition pour la sécurité dans le carnaval qui a bien pour dérouler divers côtés dans le pays pour l'année 2018. Là. D'après porte-parole PNH, la France Lorbourg, la police là à présent pour garantir la sécurité. Un reportage à Rodney d'Orléans et puis Hervé Pierre. Préparation toute qualité déjà commencé dans diverses zones dans la capitale là, et dans la ville provinciale pour festivité carnaval 2018. Yo. Autorité police nationale d'Haïti yo expliqué bon côté pa yo toute disposition déjà prend pour bay population en sécurité avant, pendant et puis après festivité carnaval yo kap déroulé plusieurs côtés dans pays ya. Par rapport à problème qui était enregistré dans le carnaval d'Elma, porte-parole PNH là, Franz Lerbou, annoncé yon chita parlé kap fait à autorité d'Elma yo pour gérer question circulation pendant déroulement carnaval là dans la commune nan. Nous connaissons que la police a un pile événement dans un temps assez relativement court pour nous sécuriser le carnaval Jacques Mel, le carnaval Gonaïve, le carnaval national qui a fait Port-au-Prince, et puis le carnaval communio, ou bien Tabar, ou bien Delma, ou bien Pétionville. Donc nos effectifs sont vraiment étirés. Heureusement que pour le carnaval national, il est décalé d'une semaine. Par rapport à Carnaval Gonaïve et Jacques Mel et Carnaval Port-au-Prince, Carrefour Delma, Pétionville, Carrefour, qui fait tout Carnaval. C'est demain vendredi 2 février, Carnaval Gonaïve a démarré. Autorité la police nationale d'Haïti a expliqué qu'ils ont déjà mis dehors un spot pour sensibiliser la population sur le comportement qu'ils doivent adopter pendant qu'ils prennent plaisir dans le Carnaval. Il y a un spot, le commissaire Gonaïve a passé sous toute consigne. Qui ça pour nous faire, qui ça pour nous pas faire par rapport à dispositif de sécurité. Il n'y a pas suspendre pour permis de port d'armes dans l'espace-là, mais il y a interdit que les armes circulent sous circuit. Et là, on a parlé de armes, on a parlé de armes à feu seulement. On a parlé de piques, on a parlé de couteaux, on a parlé de tout objet en bord de destination qui est capable de tuer ou bien qui est capable de faire des dommages considérables. Et la police a fait être étable sur question ça. L'autre bagage encore et qui est go naïve, c'est que même le que permis de port d'armes n'a pas suspendu, mais a bien un dispositif que la police a mis dans la direction départementale qui permet que les gens qui ont des armes légales
légal, on dit bien légal, ou déposer et puis après carnaval ou récupérer. OK. Jacques Mel, nous pouvons parler avec le directeur départemental sur le dispositif ça, mais vraisemblablement c'est lui-même qui a adopté tout ce pour empêcher que gagner et utilisation d'armes contondantes, d'armes par destination capables de se tuer, etc., pour événements déroulés dans les meilleures conditions possibles. Environ 2000 policiers ont bien pour déployer pour renforcer les policiers dans le département de la Tibonite, Axides, pendant le déroulement carnaval Gonaïve à Jacques Mella. L'autre nouvelle, dans le cadre de travail caisse assistance sociale CAS a fait pour aider les gens qui sont plus pauvres, tant que grand monde, handicapés et les gens qui ont besoin de support dans une situation difficile. Directeur CAS, Rudy Simon, présente le travail direction à mener. Nous invitons à suivre le reportage Marie-Jolie à Hervé Pierre. Caisse assistance sociale CAS a gagné une couverture nationale d'après le directeur CAS, Rudy Simon. 8 mois depuis l'installé dans cette institution, le directeur a expliqué qu'il était tête l'objectif pour porter service en CAS dans tout le pays. Département Nord, Sud, Grand-Anse et l'autre encore a bénéficié de ce privilège CAS. Côté chaque mois, responsable est déplacé à le payer bénéficiaire, Jean Safet dans Port-au-Prince. Travail ça a réalisé grâce à la collaboration autorité Zonio. 99% nos bénéficiaires CASO, c'était dans Port-au-Prince. Je parle de bénéficiaires, je parle de allocataires mensuels, je parle de cliniques, monde qui viennent prendre soins médicaux, je parle de restaurants. Donc 99% c'était dans Port-au-Prince. Je ne dis pas, le poco idéal par rapport à l'instruction du président Jovenel Moïse qui fait et instruction Premier ministre La Fontaine de passer ministre affaires sociales là qui était descendu sur caisse d'assistance sociale qui était demandé faut que CAS parité une boîte dans Port-au-Prince. Nous même en notre tête caisse d'assistance sociale nous prend bâton pèlerinage nous aller dans toute zone yo, nous rencontrer à travers le pays les différentes autorités. Nous rencontrer avec l'association des maires, nous rencontrer avec l'association des CASEC, nous rencontrer avec les députés et les sénateurs. Pour qui ça? Autorité, c'est parce que nous estimons que toute communauté, tout côté, toute commune gagne handicapé, toute commune gagne personne troisième âge. Et nous-mêmes, dans CAS, deux gros champs qui liés avec nous, ce sont les handicapés et personnes troisième âge. Donc, pour ça nous faire, nous arrivons à recruter une quantité de handicapés et personnes troisième âge à travers le pays, mais via les autorités locales, délégations, vice-délégations, associations des maires, associations CASEC. D'après le directeur, CAS n'a pas seulement les gens qui sont pauvres, un chèque 1500 gouttes chaque mois, les accompagner tout dans un moment difficile, tant que les malades n'ont pas bon genre soin de santé. Il y a plusieurs types de bénéficiaires. Là, je commence par les deux allocataires mensuels seulement. Mais nous, nous n'avons pas seulement allocataires mensuels. Nous avons des bénéficiaires qui viennent réclamer, qui viennent bénéficier d'un soin médical. Par exemple, nous avons une clinique qui a fonctionné. En ville de province, nous n'avons pas qu'à mettre une clinique, nous pouvons pas mettre une clinique, qui ça nous fait? En attendant que nous envisagions avec des bus pour faire des cliniques mobiles, nous organisons avec l'aide autorité qui nous santé, des cliniques mobiles dans la zone, dans le département, permettre aux jeunes qui ont besoin, aux gens qui sont dans l'école, qui ont la vue, des personnes de troisième âge qui font attention, qui font sucre, nous allons nous porter assistance. Parce que CAS, ce n'est pas seulement allocation mensuelle, CAS, c'est assistance médicale. Nous, adjoignons nous tout vers question supporter dans le restaurant, dans la question de la manger. Parce que là, CAS bail assistance manger. Tout. Donc, ça fait que nous avons des restaurants qui spécialisés pour personnes troisième âge, pour handicapés, côté que les normes respectées par rapport avec l'huile qui a mangé, le magie qui a mangé, nous avons des manger diététiques pour que les gens soient pauvres, mais ils aient accès à un plat manger décent, un manger qui est capable bon pour santé. Faire qu'elle a déjà un ministre affaires sociales là c'est ministre de tutelle non qui lui-même qui va faire plaidoyer auprès du premier ministre pour nous augmenter parce qu'à 1500 gouttes par rapport avec tout genre la coût de la vie a augmenté nous pensons que 1500 gouttes là nettement insuffisant mais pour mettre travail là c'était vous-même
pour que 1500 groupes ça là viennent vrai bénéficiaire. Rêve-li, c'est vrai comment il a annulé toutes faux chèques qui a circulé dans l'institution pour moi ça, il a déjà annulé plusieurs chèques. Dans ce sens, les gens qui ont vu toucher chèque, ils doivent présenter la carte d'identification nationale. Eh bien, messieurs, dames, c'est le moment pour observer un coup de pause dans le journal. Là, pas déplacé, n'a pas tourné. Dans l'actualité internationale, là, 5 officiers perdent la vie dans une collision hélicoptère dans le sud pays la France vendredi 2 février 2018. Là, ils ont déjà joint 4 corps, ils ont toujours cherché 5e. Non. Président de la République française Emmanuel Macron et Premier ministre Édouard Philippe salué engagement 5 officiers. Nous invitons à suivre un reportage. Deux hélicoptères à m'écraser dans circonstances que pas connaît jusqu'à présent tout près de la Cancès à une cinquantaine de kilomètres Saint-Tropez dans le sud de la France, ça qui la cause 5 personnes perdu la vie. Deux hélicoptères ont frappé une à l'autre en plein vol, une hélicoptère écrasé net et puis deuxième n'a boulé d'après préfet Var là. Ils ont déjà joué 4 corps, ils ont toujours cherché 5e. Le président de la République française Emmanuel Macron et le Premier ministre Édouard Philippe saluent l'engagement 5 officiers sa yo, qui perdent la vie dans condition ça et puis adresser condoléances à la famille. Accident hélicoptère, ça c'est un pigou accident qui fait pendant la dernière année dans le pays la France. Toujours dans le pays de Bodlo, petit ancien dirigeant cubain Fidel Angel Castro Diaz Bala, 68 l'année, t'a suicidé tête-li d'après médias cubains. Yo joint corps Fidel Angel Castro Diaz Bala dans la Havane jeudi 1er février 2018 là. Li t'a souffri dépression depuis plusieurs mois. Premier petit Fidel Castro, yo te connaît tout sous nom Fidelito, te travaille comme conseiller scientifique pour régime cubain. Li te dirige tout programme nucléaire l'état. Département Centre et Sévoie, jeudi 1er février, l'équipement PAYO pour réaliser travail caravane changement. C'est le président de la République, la Jovenel Moïse, qui remet l'autorité locale au matériel SAYO. Président de la République, la Jovenel Moïse, qui a accompagné le ministre de la République, la Fritz Kayo, visité jeudi 1er février, état avancement, travail réparation de turbines centrales hydroélectriques Péligla. Archives nationales d'Haïti gagnent un bureau tout neuf dans Delma 39. Directeur général institution Jean-Wilfried Bertrand inaugure nouveau local là hier jeudi. La police nationale d'Haïti déjà prend toute disposition pour bailler sécurité dans le carnaval qui vient pour dérouler divers côtés dans le pays pour l'année 2018 là, selon porte-parole PNH là, Franz Lerbeau. Et puis à l'étranger, 5 officiers perdent la vie en collision hélicoptère dans le site pays la France vendredi 2 février 2018 là. Voilà, amis téléspectateurs, c'est la nommée bout dans le journal ça pour jeudi. Merci pour fidélité et attention. Nous invitons à être branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Rendez-vous avec Sandé Nouvelle, c'est à 7h pour Téléjournal.